Salut tout le monde, c'est YannSR et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du playthrough sur Cyberpunk 2077. Et donc du coup, dans l'épisode précédent, on a sauvé Evelyn d'une mort certaine face à des types très peu scrupuleux, des postes pas très scrupuleux, une sorte de corpo pas très clean, bref. Et du coup, on a eu nos réponses à savoir qui nous a envoyé chercher cette relique qui nous a rendu complètement schizophrène et afin de savoir s'ils ont peut-être des connaissances sur cette fameuse relique et s'il y a moyen de me sortir de cette situation, parce que je rappelle, si on n'a pas de solution, et on sera mort d'ici une semaine dans le scénario, parce que je suis sûr il y a des mois dans le jeu qui vont se passer et je suis toujours en vie. Bref, donc du coup, qu'est-ce que nom de Dieu, Mendez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ok, je recule. Et maintenant tu dégages, gentiment. Mais... Bref, j'ai un message de Delamain. J'ai le plaisir de vous informer que votre véhicule a été réparé après un malheureux accident. Il vous attend dans votre garage, prêt à repartir. Mais... je le sais qu'il est déjà réparé. Enfin bref. Donc du coup, oui, du coup, on voudrait voir les voodoos, mais pour l'instant, on n'a pas encore de contact avec les voodoos, donc en attendant qu'on ait un contact avec les voodoos, déjà, est-ce que par hasard, la quête qui consistait à voir parler à Misty, non, rejoindre Kirk, non, se rendre au QG de la main, les accrochages, c'est pas ce qui manque à Night City, un accrochage avec de la main, en revanche, je crois bien que c'est une première, et maintenant... il veut nous verser une compensation pour les dégâts occasionnés. Je trouve ça plus que suspect. Pour moi, il doit y avoir une fin. Ouais, enfin bref. C'est pas ce que je cherche. Je cherche en fait, voyez-vous, trouver la niche d'Andrew avant de parler aux policiers. Que la fiscale s'intéresse à... ah, voilà, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a parlé à notre voisin qui a perdu un de ses potes, mais juste avant, trouver la niche d'Andrew. Ah oui, la niche d'Andrew, oui, parce qu'il nous a dit comme quoi il l'a mis dans une niche. Bon, écoutez, on va chercher les... on aurait pu passer par le garage, n'est-ce pas? On aurait dû. Donc on va faire cette petite quête secondaire pour notre ami le voisin du dessous. Et après, on va continuer la suite de l'histoire en attendant justement qu'on a des informations sur les vaudous, les sortes de personnes qui font de la magie vaudou avec de l'électronique. Et juste après, on va justement, en attendant, voir peut-être Takamola, moi, Chico Monote aussi, ou bien se rendre à l'after. Je sais pas, je pense qu'on va voir d'abord Takamura, parce qu'après tout, il avait... travailler pour la corpo Arasaka, celui qui a créé la relique. Donc, ce serait beaucoup plus logique qu'il ait des réponses dont on a forcément besoin. Putain, je savais pas que l'ascenseur était si haut, en fait. Bref. Du coup, la niche. À seulement 500 mètres. Très bien. Mon véhicule bloque le passage. C'est parfait, mais... juste pour faire chier le monde. Non, je... mais, bingo, c'est ton jour de chance aujourd'hui. Le jour où Pacifica t'invite à lui faire l'amour. Oh bah... bon, comme je te l'ai dit... c'était rapide, dis donc. Pas du tout. Par contre, ils ont besoin de quelqu'un pour un boulot. Alors, je t'ai mis sur le coup. Si tu mais c'est pas pour vendre. C'est pas pour vendre. J'ai Johnny dans ma tête. Putain, V aurait pu lui dire. Franchement, V, t'aurais pu lui dire que le truc qui les intéressait, c'est pas un truc qui est à vendre. C'est... ok, je dois parler à qui? Comment dire? C'est Johnny, c'est ce qu'ils veulent. Et trouve l'hôtel à l'intérieur. Quelqu'un te touchera ou
fera un signe de tête. Entendu, merci. Bon. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse. D'abord la quête secondaire qui était celui-ci. Non, c'est Happy Together. Voilà, Happy Together. Et tac, non, c'est pas ce que je cherche, c'est justement parce que j'ai le véhicule, oui, mais j'ai aussi la moto de Jackie. C'est lui qui nous a qui nous a légué après sa mort. Donc, oh. Et en plus avec de la bonne musique. Bon, c'est parti. On va trouver de la fameuse niche. Et quelque chose me dit qu'il faut qu'on le retourne en petit freeze du côté de Stadia. Mais bon, que temporaire, forcément. Je disais donc, oui, on va du coup retrouver l'urne funéraire. À savoir dans une niche pour notre ami du voisin du dessous, parce que sinon c'est la grosse déprime. Avant de justement parler aux deux flicailles. J'adore cette musique. Bref, je crois qu'il fallait que je continue tout droit en fait. Exact, il fallait que je continue tout droit. Comme un con, je suis sorti de l'autoroute. Enfin, si on parle, on peut appeler ça une autoroute, parce que après tout, ça reste une grande route dans la ville de Night City. Bon, la moto est un petit peu sympa. Bon, après, je suis pas allé à fond. Judy Vallès, qui est-ce? Hola, comment ça va? Tu as trouvé ces Moon Boys? Mais j'ai pas mal été occupé. Comme nous tous, bonne chance dans tes recherches alors. Oh attends, il a dit un truc en plus là. Attends, il a dit un plus. Ouvrir les messages. Je veux pas que tu finisses comme Eve. Ah oui, Judy, mince, je me suis dit, c'est peut-être le type. Mais comment, ah oui, comment ça va d'ailleurs? Avec Evelyne. Toujours aucun changement, elle est piégée quelque part au plus profond de son cerveau. Elle doit vivre un enfer. Ah. Shit. Ah, c'est moche. Non, je veux pas parler aux policiers. Pourquoi tu changes ma quête? Non. Je veux d'abord chercher l'urne. L'urne, parce que après tout, le mec est mort de vieillesse à Night City. Il faut le rendre hommage à un mec qui a réussi à vivre toute sa vie, quoi. Bref. Allons-y. Tout en écoutant quelque chose de trash metal, je crois. Ou de death metal, je sais plus. Je ne sais plus les styles. À force d'avoir 15 000 styles dans le même genre musical. Ouch. Bon. Voyons voir. Putain, mais c'est ici. Attends, je dois faire tout ça. Qui est-il? Je crois pas qu'on se connaisse. Non. Je suis Claire. Tu te rappelles pas? La barmaid. Ah oui! Bonjour, Claire. Sans payer. T'as gagné une sacrée répute au bar. Sérieux? Tu serais ultra fiable. Et il se trouve que j'ai besoin d'elle. Écoute. Il me faut un pilote pour des courses de rue. Passez au garage, je t'expliquerai tout. Ok, mais plus tard. Ça m'intéresse, hein, mais plus tard. Super beau spot, tu peux pas le louper. Ok, je vais faire de mon mieux. Si je suis pas là quand t'arrives, attends-moi. Je viendrai après mon service à l'after. Ça marche. A plus, Claire. Bon. Eh ben, très intéressant, pourquoi pas, une course, mais pour l'instant, cherchons l'urne funéraire. Étrange graffiti. Oh! Putain, je l'avais pas vu! Effectivement, je l'avais pas vu. Bref, il faut qu'on cherche une niche. Alors, c'est à ça que ressembleront les tombes.
C'est très intéressant. Mais il faut que je cherche du coup où ça se trouve. Oh, qu'est-ce que c'est? Un écran. Peut-être sur cet écran. Dean Russell, son amitié était une source d'inspiration. Bon, c'est parce que... Mais... Non! Dégaine pas ton flingue! Crie pas des ennuis, surtout pas au cimetière, voyons! Un peu de respect. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un briquet. Très bien. Mais ce n'est pas ce que je cherche. C'est pas ici. Enfin, en tout cas, ça n'a pas trop l'air d'être là. Qu'est-ce donc? Ah, la mémoire de mon meilleur... Ah, bah, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Putain, Barry, ça a besoin d'aide. Ah. Tu étais une tortue, mais tu écoutais comme personne. Tu étais là quand on m'a m'expliqué la vie. Tu es le meilleur souvenir au monde. Barry va mal. Je veux dire, si cette tortue était la seule chose qui le poussait à se lever... Ah, d'accord. Tu commences à comprendre. C'est une tortue. Tu sais ce qu'on dit, hein? Quand tu regardes... Mais attends, si la tortue est morte de vieillesse, c'est encore... Parce que je crois qu'une tortue, ça peut vivre une centaine d'années, si je dis pas de conneries. Les merdes qui lui sont tombées dessus. Putain! Il faut vite, vite, que j'aille prévenir les flics avant qu'ils fassent une connerie. La vache! Allez, c'est parti. On fonce, vie. On fonce. Mais non, mais... Pas sur une voiture. On fonce. On fonce à la baraque. Il faut qu'on retrouve au plus vite... Ah. Ouais, puis... Oui, je... What? Mais non. Non. Continue à... Fuck the what? Bon. Eh ben, dans ce cas... Oui, non, je vais prendre ma voiture, du coup. C'est la moto, elle se... Apparemment, on n'a pas le droit de conduire dans l'herbe. Où est ma voiture? Ma voiture? Oh, elle est... Non, elle est pas là. J'ai demandé à 790 mètres plus loin. Quoi? Ah non! Et ils l'ont foutu un! Où est-ce qu'ils l'ont foutu? Et moi je veux ma voiture! Oh mais putain! Quand même! Non mais oh! J'hallucine! Et il t'est arrivé quoi ton pare-choc carrière? qu'est-ce donc? Bonjour, c'est Sandra Dorset, celle que vous avez sauvée des ascenseurs. Après ce qui s'est passé, je me dis que je peux vous faire confiance. Est-ce que vous serez d'accord pour aller récupérer un petit quelque chose pour moi? Je vous paierai évidemment, mais c'est un peu délicat. Alors je préfère éviter d'impliquer un fixeur, c'est ma banque de données. Les désosseurs ont dû la prendre pendant... Ah! Elle était toujours connectée au réseau, donc j'ai pu récupérer sa trace. Les données sont confidentielles. Eh ben plus tard, mon cher. Donc c'est un morceur, pour ceux qui ne savent pas, c'est celle qu'on a sauvée tout au début du jeu. Au premier épisode. Ouais bah fais gaffe, excuse-moi, j'y peux rien si les routes ils sont pas assez étroites. Hein. Voilà. Donc. Allez, mais. Bouclez pas, merde. Voilà, je m'en fous, je fonce. Alors c'est pas cette sortie, c'est cette sortie. Et j'y vais à contresens tant qu'à faire. Parce que YOLO, hein. Il y a des choses plus urgentes. Il faut passer par là. Toujours à contresens, n'est-ce pas? Bon. Ah, tcha. Il faut vraiment que j'apprenne à savoir où se trouve le frein main ici. Oui, parce que voilà, le vite fait, je sais comment conduire, mais je sais pas où se trouve le frein main en fait. Je sais où se trouve le frein, qui est aussi en même temps la marche arrière, mais le frein main. Et par contre, ils savent absolument pas conduire. C'est Stan, avec vous.
Le soleil est couché, mais j'espère que vous êtes toujours debout. Je sais pas si vous êtes au courant, mais une nouvelle déesse sensationnelle est en tournage et elle devrait révolutionner l'industrie. Écoutez un peu ça. La crucifixion du Christ. What? On connaît même l'acteur principal. Jésus-Christ. Qui se trouve dans le couloir de la mort et qui n'en a plus pour longtemps. Ah oui, d'accord, donc même, même les flics qui... Il crée des DS, mais des DS genre des DS pas très chatoyants. Très bien. Intéressant. Mais en même temps qu'il veut revivre, qu'il veut vivre le couloir de la mort. Bref. Parlons du coup au flicaï. Les personnes qui envisagent de s'y installer. Hop. C'est parti. Trouver un sponsor dans les sociétés affiliées aux EEO. Après une période d'activité de au sein des EEO, les détenteurs d'un visa auront droit à un titre de séjour permanent, une autorisation de mariage et un permis pour un enfant unique. En Europe du Nord, la crise humanitaire s'aggrave. Ah. Les réfugiés des régions qu'est-ce qui s'est passé? Belgique et des Pays-Bas continuent d'affluer dans les pays scandinaves. What? La Suède a répondu par... Alors, ok, mais pourquoi la Belgique fuit la Belgique? Il s'est passé quoi en 2077? Il y a une guerre? Il y a une guerre en Europe? Ah bah merde alors! Putain! Notre continent part vraiment à la dérive. Bon! Alors messieurs dames, bonjour! Bref. T'éloigne pas, d'accord? Mais... Je suis allé sur la tombe d'Andrew. Barry va pas bien. En fait, il va tellement mal qu'il préfère parler à une tortue qu'à vous deux. C'est censé être une blague. Non, c'est pas censé être une blague. Vraiment triste. Barry a pas bien supporté sa vie de flic. Vous foutiez de sa gueule. Alors il a arrêté de se confier. Et tout ce qu'il avait à part vous, c'était... Une tortue. Qui est mort de vieillesse. Une tortue mort de vieillesse. Tu sais combien de temps ça vit une tortue? S'emballer, mec. Ouais, j'adore en brief. Non. On va lui dire... Une preuve. Allez voir la niche au Columbarium. Mais pourquoi il nous aurait menti? Il parlait de cette tortue comme si c'était un humain. Comment aurait réagi Mendes? Il avait dit qu'il parlait à une bestiole. Je vois que... Je pensais qu'il faisait du cinoche, que ça allait passer. Je vois que vous n'avez jamais eu d'animal de compagnie. Je me trompe. Vous posez une question pareille. Merci pour votre aide. Voici un petit dédommagement. Bien sûr qu'on peut parler à des animaux comme si c'était des humains. Non mais c'est quoi cette société de malades? Et ben putain, 2077, ça part à la dérive. Bon, du coup, ben allons du coup à notre truc, un des trucs principaux, malgré qu'on a quand même une information pour les Voodoo Boys. Mais pour l'instant, c'est pas les Voodoo Boys qui m'intéressent. Hé, hey, je suis pas passé par là, moi. Ah. Oui, parce que je suis toujours dans l'étage. Oui, parce que, voilà, il y a pas mal... J'ai vu pas mal, en fait, en regardant parfois les news d'actualité, des personnes qui se plaignaient que la map du jeu était assez petite. Alors qu'en fait, ce qu'ils ont oublié, c'est que la map est peut-être petite horizontalement, mais il faut aussi l'avoir en verticale. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans pas mal d'ascenseurs, bon là, cet ascenseur-là, il n'est qu'à deux étages, il y a des ascenseurs avec plusieurs étages, et vous avez remarqué que quand j'allais dans un étage, et ben j'allais dans une autre rue. Il y a des rues par étage. C'est ça qu'il faut se dire. Donc oui, je suis désolé, la map est peut-être horizontalement petite, mais si tu additionnes ça... Avec ce qu'il y a à la verticalité, c'est tout à fait honnête. C'est tout à fait honnête. Bon, alors allons rejoindre Takamura Mawashito Makawesa. Alors, comment je vais pouvoir passer ce véhicule qui me fait chier? Voilà, comme ça. Sans attirer les flics, oui, parce que j'ai vu les flics. Là-bas, vous l'avez pas remarqué, mais moi je l'ai remarqué. Bon,
Il est parti loin au fait, Takemura, parce que... Ah. J'aurais pu y aller à pied carrément, je trouve. Ah. Dérapage. Dérapage raté. Forcément. Quand on conduit comme une merde. On conduit forcément comme une merde. Bref. Allons voir. Takemura. Putain. Je suis un danger public. Je suis un danger public. Oh. Carrément dans un... Dans un truc... Je sais pas pourquoi, mais le pote de Takemura, je pense qu'il va nous foutre dans un piège. Parce qu'après tout, si ça se trouve... Arasaka est au courant de la traîtrise de Takemura, et... Qu'est-ce qui se passe? Qui passe à Aura? Je crois que... Oui! Le jeu a planté, malgré que le jeu est 1.6! Eh ben, écoutez, je vais faire une... J'espère juste... Qui va pas me refoutre dans le menu. Ouf! C'est bon! Voilà, l'avantage, c'est que quand ça plante, ça refonctionne. Par contre... Pourquoi je n'arrive plus à avancer? Ça, c'est bizarre, par contre. J'avance comme une merde. Bon, de toute façon, je suis arrivé à destination, mais... Ouais, ma voiture, elle est... Bon, elle est dans un sale état. Je l'avoue, ma voiture est dans un sale état. Mais bon, nous arrivons... Ah... là au point de rendez-vous. Bon, on va attendre, du coup. On va attendre. Bordel. What? Cinématique. Je suis content de te voir, V. Ah bah c'est pas trop tôt. C'est plutôt... isolé, comme quoi. Hey. Attends, tu roules dans cette merde, toi? T'es pas en forme, toi. T'as une sale tête. Tu es face à un homme privé de ses implants, de son argent, de sa dignité. Ouch. Ah ouais, je comprends pourquoi t'es vénère, mec. Je passe relativement inaperçu. Et où ton poteau? Ton ami Oda. Il ne devrait plus tarder à arriver. Est-ce que tu vas finir par me dire qui c'est? Il est le garde du corps de Hanako-sama. Hanako Arasaka? Celle du porte-avions ancré dans la baie? La fille de Saburo? Ouh! Oui, et s'il te fait confiance, alors nous aurons l'opportunité de la rencontrer. Ah! Et t'es sûr de lui faire confiance? Oui. Ah, très convaincant. Je n'ai plus rien à perdre. C'est mieux comme ça? C'est pire, parce que moi j'ai des trucs à perdre. J'ai plein de trucs à perdre. Déjà mon corps. mon fameux short qui a une grosse... toujours camouflé. Ah. Ouais. Moi je dirais plutôt que c'est mauvais signe. Qu'ils soient en voiture. Wow. Il y a eu un petit bug là. J'ai pas rêvé. Il y a eu un petit bug. Il y a eu le fantôme de T-Bug. Par contre, mec, ta coiffure est spécial. Et tu bugs tout le temps, mec. Oda. Yo. C'est lui. Le voleur. Oh, eh. Ferme ta colle. Et je sais parler, pour info. Alors, parle. On m'a dit que tu savais des choses. Yorodibo a été compté. Bon, allez, on va y être direct. J'ai vu ce qui s'est passé. Yorinobu a étranglé son vieux. Silence. Pas un mot de plus. Tu vas attirer la mort sur toi. Ouais. Moi, je dis, c'est plutôt moi qui vais amener la mort. Tout ce que je veux, c'est la protéger. Dans cette ville abandonnée des dieux. Est-elle en danger?
Pas en ce moment. Mais lors du défilé d'hommage à Arasaka-sama, sans aucun doute. Oh putain. Tu es le témoin de son meurtre. Et tu t'inquiètes pour un stupide défilé. Non, 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 c'est pas un stupide défilé. Il peut. Contrairement à toi, je ne compte pas faillir à mon devoir et trahir. Garder la vérité en face. Tu regretteras tes paroles. La seule chose que je regrette, c'est d'être venu vous parler. Mais non. Tu nous as donné une information. Estime-toi heureux que je ne la coupe pas. Pardon, mais ça va prendre encore longtemps. Ouais, parce que là, on a. Moi, je vais mourir dans une semaine. Estime-toi heureux que je ne la coupe pas pour la rapporter à Yorinobu-sama. Que ferais-tu maintenant si tu étais à ma place? Je n'hésiterai pas. Putain. Je livrerai ta tête à Yorinobu. Enfin bref. Chance. C'est pas comme si on vous demandait l'impossible. Je ouais. Juste quelques minutes. C'est à Hanako de décider si ce qu'on dit l'intéresse. Pas à vous. T'es qui d'ailleurs? Pour dire. Mais je vais vous laisser partir et quitter cette ville indemne. Ok, je prends ta caisse. Je vous vois là devant un jour, je serai moins indulgent. Fais bien attention, mon ami. Nous sommes tous. Oh! Chez nous. Ah non, c'est. Oh si! Putain! Et c'est quoi ça? Un seul cinglé de char à Saka à gérer, c'est déjà beaucoup. Eh ben. Sympa ton copain, ils sont tous comme ça. Sympa cette statue! Je n'ai que lui. Il n'y avait aucune chance. Il n'y a aucune chance que ça marche. Mais. Je pense que nos efforts n'ont cependant pas été vains. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'adore la tête. Désolé pour le dialogue, mec, mais regarde ça! C'est magnifique, non? Il retourne à Tokyo après le défilé. Tu ne comprends pas? Le défilé. Qu'est-ce qu'il y a avec le défilé? C'est une opportunité. Si, par chance, nous parvenons à atteindre Hanako-sama. Oh! Il faut d'abord effectuer un repérage. Mmh. Il nous faudra une carte précise de Japantown. Une minute, c'est ton tour d'appeler un ami. Tu connais un fixeur qui pourrait nous aider? Eh ben. Oui. Comme fixeur, je connais Wakako Okada. Elle tient une salle de pachinko sur Jig Jig Street. Alors, nous devons aller voir cette femme. Ok. Très bien. On y va ensemble? Allez, c'est parti. Ouais. Pourquoi pas? C'est parti, allons voir Wakako. Donc Wakako, c'était la... celle qui nous a embauché pour la première mission que vous avez vue au premier épisode. Pour résumer. Chimie dans notre cerveau. Je me demande si ce best-seller est au programme au club de... Bon, tu roules ou pas? Jigzag Street. Non, Jigzag Street. Pas plus étrange que moi. Attention, tu te moques de moi. Trop souvent. Bah, excuse-moi d'être occidental, hein. Qu'est-ce qui se passe à Arasaka? T'as une idée de ce qui se passe à Arasaka? Uniquement à travers ce que je vois à la télé. C'est-à-dire? Yorinobu et ses pantins sourient devant les caméras et affirment qu'ils contrôlent la situation. Pas pour longtemps. Plus le sourire est grand, plus le mensonge. Pas tant que j'aurai peut-être trouvé un moyen de faire sortir... Si ça se trouve, oui. Le moyen de faire sortir de Johnny Silverhand de ma tête, c'est de trouver le corps de... Je demandais ça comme ça. Toujours qu'il y a comment dire avec c'est de trouver le corps de Johnny Silverhand et de mettre son esprit dedans. Et du coup, Johnny Silverhand va... Je ne suis pas habitué à ce genre de questions. Les gens comme moi sont soit en pleine forme... Bah, soit forcément créer une bombe. Enterrés. Et d'ailleurs, la musique est bien choisie pour la situation. On dirait deux enquêteurs d'une série noire. À la recherche d'indices. Bref, je regarde la route. Je ne vais pas passer le chemin. J'adore ce truc Arasaka là-bas. Jazzy, il y a des flics par là-bas. Et cette fois-ci, on a une minimap, pas comme l'épisode précédent. Bref. Bref.
Jesse. Bon, j'imagine que qu'on va pas être arrivé très longtemps à... Oh, un Shark Duck par là. Eh ben oui, on n'est pas loin. C'est juste... Ah non, quoique ici, c'est une quête secondaire. Je crois que c'est une quête secondaire, ça. Dans la mini-map, hein, bien entendu, pas dans... Ouais, c'est une map secondaire. Mais j'existe, Rick, c'est juste ici, tu vois, là où il y a... Des choses... ouais. Voilà, quoi. Bon, qu'est-ce que vous avez tous à... À faire des petits à-coups pour vous garer? Non mais parce que moi je me gare sans à-coups, hein, si tu veux. Bref. Bon, je vais suivre Takamura, mais... Parce que forcément, j'imagine qu'il faut qu'il soit là... Mais vous êtes encore là, vous deux? Putain. Ils sont encore là depuis tout ce temps. Johnny? Johnny, qu'est-ce que tu fous là, Johnny? Qu'est-ce qu'il y a, Johnny? Qu'est-ce qu'il se passe, Johnny? Johnny? Hey, Johnny! Bon. Écoute. C'est ici, Takamura. Je laisse entrer d'abord. Voilà. Donc, on va te... Je dois dire que j'ai pas trop la mémoire des noms, mais j'oublie jamais un visage. Où est-ce que je vous ai déjà vu? Nulle part, mec! Fais gaffe parce que j'ai un flingue. Ça m'étonnerait. Ah, mais bien sûr! Hideshi Hino, la légende en chair et en... What? Oh, tu arrives juste à temps. Vous savez qui c'est? Hideshi Hino, le présentateur de l'émission comique de fin de soirée. Il était génial avant de mal tourner. Vous pouvez me faire votre... C'est bon. Pas Allez, lui. Ça s'oublie pas, un truc comme ça. Juste une fois, s'il vous plaît. C'est pas lui. V, on devrait entrer maintenant. Hideshi, laisse pas ce pauvre type comme ça. Allez, laisse pas ce pauvre type comme ça. Hideshi, laisse pas ce pauvre type comme ça. Le moment est vraiment mal choisi. Bon, d'accord. Allez, ça fait des années que je l'ai pas entendu. Ah. Allez, accrochez-vous. Alors? Alors? C'est lui ou c'est pas lui? Tu viens de rendre compte Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est pas lui! Je ne me reconnais pas moi. Ah merde, c'était lui! Tu es satisfait? On peut y aller? Bon, allez. Ouais, on y va. On y va. Hideshi Hino, vous êtes tombé si bas. Quel dommage. Bref. Ah oui, mais attendez, la sécurité d'abord. Oh, il nous gosse. Tout ça n'est sûrement qu'un malentendu. Ah! Je ne sais on va pas devoir passer l'afterlife. Mais les Tiger Claws, non, jamais de la vie. Méga, ça va venir. Désolé, je dois. Faisais partie des Tiger Claws. Merde. De la visite. Merde. Je ne savais pas. Pour ceux qui ne savent pas, l'épisode précédent. V en personne dans mon humble petit salon. Les Tiger Claws dans l'épisode précédent, c'est là où on a foutu. Non, il y a deux épisodes. Il y a deux épisodes, c'est là où on a foutu le bordel. Et ton chat. Mais. Le comique. Allez. Tant qu'elle est au délire jusqu'au. Jusqu'au bout. Oh, c'est vraiment dommage qu'il ait tous les petits soldats d'Arasaka au fait. Comment tu sais ça, toi? Et toi, V, tu l'amènes chez moi. Bah... Donne-moi une bonne raison de ne pas prévenir les autorités compétentes dans la seconde. T'es trop curieuse. J'aurais déjà appelé si t'en avais vraiment l'intention. C'est simple. Tu veux savoir pourquoi on est là? Exactement. Parle alors. Et note bien que j'ai toujours mon téléphone dans la main. Ok. On a besoin d'infos sur le défilé qui doit traverser... Je vais juste me moucher un peu. Ça concerne encore Arasaka, alors? Bah, ça concerne toujours Arasaka. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu viens me voir, moi? Bah... Monsieur Dechaune ne décrochait pas son téléphone? Bah...
Entre Arasaka et les Tiger Claws, clairement, les tigres sont juste des chatons, non? C'est pas possible que t'apprécies les gens qui ont tué ton petit-fils. C'était il y a très longtemps. Le temps guérit tout, mais... Une blessure pareille. Non, elle ne guérit jamais. Tout est sur ses éclats. Combien ça va nous coûter? J'ai les poches. T'inquiète, je paye. C'est évident. Prenez, je vous en fais cadeau. Okada-san, les choses gratuites s'avèrent souvent plus coûteuses. Vous allez les prendre ou pas? Allez, prends, je les prends. Vas-y. Dis-moi tout. Dis-moi tout, mamie. Japantown. Tout le quartier sera bouclé pour le défilé. Sans blague. Les chars d'Ashi seront l'attraction principale. Ils voleront par là, loin au-dessus des rues. Ah, ce sera en hauteur, sur du coup. Sur le trajet du défilé, des balcons... Vous avez pas le vertige, j'espère. ...des endroits surélevés offrant une bonne vue. Anako Arasaka, l'invité d'honneur, prononcera son discours depuis le plus grand char. Elle le fera précisément... là. Aucune idée d'accord. De la sécurité, mais vu les événements récents, elle devrait être importante. Mm-hmm. Au dernier défilé, des agents d'Arasaka s'étaient infiltrés dans la foule. Et c'est sans parler des snipers et des drones. Ah. Pour rendre les choses encore plus amusantes, il y aura au moins un être honneur. C'est tout ? Ils utilisent les caméras c'est pas beaucoup. De la ville pour tout surveiller. Le point d'accès principal est ici. C'est un vieux centre de contrôle automatique. À mon avis, ce sera le plus... Si il y a un seul mec dans les caméras de sécurité, enfin, je pense que ça va, on peut faire de l'infiltration facilement. Et on restera là à nager au milieu des déchets que personne... Surtout que maintenant que j'ai une amélioration qui permet de désactiver voilà. Les caméras. C'est tout ce que j'ai. Bon. Ça devrait suffire. Je ne vous retiens pas dans ce cas. Merci, merci Wakako. Ne veux remerciant. Okada-san. Okada-san. Ah, et au fait, tu m'as toujours pas payé pour Sandra. Encore une affaire à régler. Tu te souviens de Sandra Dorset? J'oublie jamais ce genre de choses, V. Alors, paye-moi. Voilà ta récompense. J'y ai ajouté un... Merci. Oh, merci. Tu pourras te faire poser un implant dermique pour... Oh bah merci. Merci Wakako. Bah écoutez, on va avoir un... Ah bah oui, on va directement à la clinique. D'accord. D'abord j'ai vu un message. Bon, je l'ai pas vu. Du coup parce que... Voilà, du coup, message. Deux messages de Wakako. Récompense spéciale. La mission personnelle est tatouée. Et bah écoutez, on va voir la récompense en question. À 1 km là. Johnny, t'es bugué? Qu'est-ce que tu regardes par là? Putain, mais que les... Ok, Johnny, c'est pas rien, t'es complètement bugué. Bon. Du coup... Oui, parce que du coup, j'imagine que je viens de faire un autre... C'est ça, je viens de faire une autre truc. Rejoindre Wakako, parler à Takamura. Mais je l'ai fait. Rejoindre votre... Putain. Putain. Comment ça, rejoindre Wakako? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la quête est buggée? Est-ce que la quête est buggée? Parlez à Takamura. Ah bah, il est là. Cette femme était vraiment très charmante. Quoi, t'es tombé à... Sous le charme. Je pense que c'est ce qu'il nous fallait. Mais je vais quand même enquêter de mon côté. Je vais rester là quelque temps et contacter des associés. Ok. Et que j'en saurai davantage, je te recontacterai. Eh bien, super. Très bien. Sois prudent, sois au fait. Prudent, Goro. Toi aussi, sois prudent. À bientôt. Bon. Du coup, ma récompense, qui est sans une quête qui s'appelle le contrat. Contrat dos au mur. Non, se rendre. Non, c'est là, le contrat, voilà. On va du coup chercher notre petite récompense qui se trouve chez un charcutoc. Une amélioration pour mon bandit.
pour mon body. Bref, j'appelle ma voiture. Qui est très très loin à ce que je vois. Allez, c'est parti. Et allons voir le Charcutoc. Dans une clinique, mais pas la clinique que je pensais en fait. C'est moi ou la voiture, elle rame du cul. D'ailleurs, il est toujours dans le même état qu'avant. C'est-à-dire avec les pare-chocs complètement défoncés. Je me demande s'il y a un moyen de réparer de la voiture. Parce que ça veut dire que si on a une voiture et que jamais elle explose, ça veut dire qu'on l'aura plus, c'est ça? Ce qui rend du coup le jeu un peu plus immersif. Ceci dit. Alors, voyons voir. Il faut sortir, effectivement. Je suis bien la map. Oui, parce que moi je regarde la map. Il n'y a pas d'indication au sol, malheureusement. Ce qui serait pas mal, une indication au sol, mais après, c'est pas un jeu de bagnole. C'est un jeu à monde ouvert, donc forcément, on doit aller chercher ça par nous-mêmes. Bon. Du coup, où est-ce qu'il est, ce Charcutoc? Où est-ce qu'il est? Il est pas très loin. On s'approche de la jeu. Oh, et on a une nouvelle zone découverte. On n'est jamais. Apparemment, on n'est jamais venu ici. Ouais. Alors, moi, si je roule comme une merde. C'est sûr que. On va pas y arriver à ce Charcutoc si je roule comme ça. Bref. Hop. Allons-y. Ouch! Quoi? Si vous entrez dans des activités, quel... Quoi? Un flic m'a vu? Oh merde! Un flic m'a vu! Un flic m'a vu! Non! Non! J'ai pas fait exprès! Demi-tour! Demi-tour! Wait! Oh bah c'était rapide! C'était rapide, dis donc! Oh la vache! Oh punaise! Je l'avais même pas fait exprès cet accident en plus! Je l'avais même pas fait exprès, je vous assure! Je voulais éviter de l'écraser! Avis à tous les sous-traitants du NCPD! Un mandat a été lancé à l'encontre de suspects accusés de crimes organisés à proximité de Ross Street et Chibiaway. Je ne un vois pas du tout. Un groupe de déserteurs mené par Yelena Sidorova a agressé plusieurs sans-abri. J'imagine que c'est ici. Suspect comme armé et dangereux. Les autorités de Night City offrent une récompense à quiconque neutralise. Ok. Alors, distraire les ennemis. Non, je veux juste voir l'ennemi. Court-circuit. Allez, c'est parti. Non. Oh putain, oui! J'ai l'arme avec le putain de recul! Il faut que je change d'arme! Il faut que je change d'arme! Il faut que je change d'arme, vite! Requiert quoi? Plein de potentiel déverrouillé avec le. Requiert des levels, c'est ça? Bon, allez, on prend l'arme ultra cheatée. Requiert quoi? Fusil de précision. Vos ennemis n'ont jamais. Pourquoi il y a marqué requiert? Pas savoir. Bon. Par contre, il y en a un qui est. Il est bugué. Ah non, c'est un flic. Crouch. Ah ouais? Tiens. Pouk! 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 Bon, on va arrêter de faire pouk. Et on va prendre un peu de soin. Non mais tu traites de lopette toi? Ah ouais, d'accord. Ok. Ok, et il m'a brûlé.
Il m'a brûlé et je crois que c'est la quête. Enfin, la quête des flics est terminée là. C'est bon, les flics sont calmés et. Oh, la belle moto. Bon, je vais looter ce qu'ils ont parce que, après tout, ils peuvent avoir des. Elle est où, Regina? Le Maelstrom a un problème de cyberpsycho. Ah, mais je m'en fous du Maelstrom. Et fais gaffe, les Maelstromers sont tarés, avec ou sans psychose. Ouais, bah ça m'intéresse pas. Merci, Regina, mais. Là, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est le Cherkudok. Qui a quelque chose pour moi. Alors, ça va les affaires? Comment vont les affaires, Cassius? J'ai pas à me plaindre. La Maxtac a rasé une clinique clandestine il y a pas longtemps. Oh. Les clients se rabattent sur moi et je peux faire monter les prix. Coïncidence? À toi de voir. Bon, à condition que c'est de la qualité, mon pote. Hein. Alors, du coup, la récompense de notre cher Wakako. Elle nous a dit qu'elle avait une récompense, n'est-ce pas? C'est dans quoi? Je sais même pas ce que c'est SC et REC. REC, il vous faut 6 concessions pour équiper. Ah, d'accord, 6 équipements, il vous faut 12 réparations. Donc, micro-générateur libère une décharge électrique infligeant des dégâts correspondant à 20% de la santé maximum de l'ennemi ciblé lorsque votre santé descend à 15%. Quoi? Ouais. Bof. Alors, système immunitaire, qu'est-ce que j'ai après avoir subi des dégâts de 2% de chance de libérer. Bof. Système nerveux. Qu'est-ce que c'est? Vous permet de viser et tirer en esquivant ralenti le temps de 50% pendant 1,5 secondes quand vous bloquez, visez une attaque tout en glissant ou en esquivant. Intéressant. Ralentit le temps de 25% pendant 2 secondes lorsque votre ennemi vous détecte temps de recharge 60%. Hein? C'est-à-dire, je vais m'équiper de ça. Je sais même pas combien j'ai payé pour ça d'ailleurs. Mais c'est déjà payé. Alors, système de magie truc. Augmente l'armure de 20%, plusieurs décennies. 2 000 $? Putain, je les ai... Ah si, je les ai... j'ai 15 000 dollars en tout. Putain, c'est cher quand même ces trucs. Les yeux oculaires, il n'en a qu'un. Cortex frontal. Il nous faut 10 intelligences. Putain, ok, je peux pas les utiliser. Très bien. Système d'exploitation. Oh, il y en a d'autres. Il faut mémoire vive. D'après les statistiques, mais je peux l'utiliser ou pas? Mémoire vive de base, taille de la mémoire tampon. Il y a du coup plus de mémoire tampon, plus de mémoire vive, ce qui permet pour le piratage de faire plus de choses et aussi de faire plus de piratage. Ralentit le temps de 50% pendant. Ouais, mais je peux pas les utiliser parce que c'est rouge. Pourquoi? Pourquoi je peux pas les utiliser? Vous n'avez pas assez d'argent. 7000 combien? 7 500 $. Ah oui, mais moi je le vois pas parce que j'ai mon overlay là. C'est mon overlay. Mais attends, je peux vendre. Je peux vendre. Qu'est-ce que je peux vendre? 700. Putain, sérieusement, ils vendent ça des milliers de dollars. Bah sinon, je peux lui vendre mes armes. Armes complètement inutiles. Ça aussi, je peux le vendre. Parce que sérieusement, le recul de ouf. Allez. Je vends ça. Je sais même pas. Si, maintenant, je vois 6000. J'ai 6 000 $. Niveau couteau. J'ai un katana que je suis équipé pour. Oh, et celui-ci fait plus que le katana? T'es sérieux? Écoute, je vais m'en équiper. Hein. Attends, j'avais 2 katanas. Ah, c'est celui-ci que je me suis équipé, en fait. Ouais, écoute. Et celui que j'ai en main... Oui, je confirme la vente de cet objet. Niveau vêtements, est-ce que j'avais pas des vêtements avec plus d'armure? Non, je crois qu'ils avaient tous des trucs de merde. Hein. Oh, quoique les chaussures là. Bon, alors... Et les chaussures là? Bah super, écoute. Déjà, ça je vends. Ça je vends. Ah, ça c'est celui que j'équipe, non. Non, 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 non. Je vais pas me mettre un poil devant tout le monde. Ça je vends. Oh oui, celui-ci il a plus d'armure. Très bien, celui-ci il a plus d'armure. On va du coup enlever le short.
très bientôt, et afin d'avoir des vêtements plus adéquats, ça je vends. Et non, je ne fais pas l'astuce de vendre des... Comment ça s'appelle ? Des trucs de craft. Parce que, pour moi, le petit glitch qui te permet d'être riche uniquement avec des trucs de craft, je trouve que c'est pas immersif. En fait, voyez-vous, moi je joue un RPG comme je joue un jeu de rôle papier. Donc du coup, si je triche un petit peu pour devenir ultra riche, ça va pas le faire. Surtout que... Combien il vendrait d'ailleurs mes cartouches ? Il vendrait seulement 8$, j'en ai 145. 1000$ ? Non. Non, ce serait pas très honnête. Bref. Ah merde, et oui, j'ai pas fini. Je voulais voir. Squelette, qu'est-ce que j'ai ? Augmente la charge. Non. Qu'est-ce que tu as ? Ah oui, en fait, ce que je voulais, c'était côté mémoire vive. Je peux me payer ça. Sinon, je peux me payer... 15 000$ ! On va encore commercer. Des bombes. Peut-être pas. Peut-être des boissons. Écoute, c'est quoi ? Va pour commercer avec des boissons. Tac, tac, tac. Sélectionner quantité. Ben, je t'en vends deux. Je suis même pas sûr d'arriver au... Ah, quoique, vu le pognon. Ah ouais, non. Je n'ai absolument pas la tunasse pour ça, hein. Je n'ai absolument pas la thune pour me payer ça. Bah écoute. Tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'on pourrait encore vendre ? Hey, j'avais ça, c'est quoi ? Première fois que je vois ça. Ok, j'ai aussi de la merde. De la merde qui pourrait me servir, punaise. J'ai 15 000 trucs. Munitions. Alors, attends. Munitions pour fusil. Non, munitions pour pistolet, ça j'en ai pas besoin par contre. Je peux déjà lui vendre ça. Malheureusement, je n'aurai pas assez d'argent. Pour me payer cette putain de merde. Sérieusement. Combien? 15 000$. Écoute. Je vais prendre celui-là. Je sais même pas d'ailleurs ce qu'il fait de plus. 4, bah, ça change même pas sur la taille de la mémoire vive de base. Ah, quoi que si. Peut-être un petit peu. Plus de 3 emplacements et 2 emplacements. Ok, et c'est quoi cette histoire d'emplacement ? Quelque chose me dit que c'est avoir un truc que je ne vais presque jamais, à savoir les matériels cyber. C'est ça ? Ah, d'accord, ok. Alors, contagion non mortelle inflige de légers dégâts appliquant un empoisonnement à la cible. Oh, parfait. Non mortelle inflige de dégâts modérés à la cible. Et redémarrage optique, réinitialise la carte. Ok. Voilà. C'est parfait. Je crois pas avoir vu du coup la récompense de Wokako. Elle est où, dans les jambes ? Non, pas dans les jambes. Système sanguin peut-être. Non, j'ai déjà vu système sanguin. Système tégumère non plus. Putain, Wakako m'a roulé ou quoi? Je crois que Wakako m'a roulé. Attends, je vois un truc spécial. Vos objets, non. Objets du vendeur, non. C'est peut-être dans les mains. Oui. Eh ben c'est ça. Je suis à mort du Tiger Claw maintenant. ah merde, mais ça enlève carrément ce truc. Bon bah, merci Wakako, mais c'est non. c'est non, très, très clairement. C'est très clairement non. Bon, et bah écoutez, ce fut très intéressant, même si... Je vais piquer des trucs. En tout cas, le truc avance tellement vite, je pense que se terminer sur les choix sur des trucs que je ne regarde presque jamais. D'ailleurs, je peux voir exactement ça. Ah oui, pour les machines, rien. Mais pour les êtres humains. Alors, pas cet être humain, il fallait plus des... Hey, il avait des flingues. Un fusil à pépon. Très bien. Eh bien, écoutez, moi, je vais arrêter cet épisode ici. Ce fut un épisode très intéressant.
où on s'est terminé effectivement chez Saint-Charcutop pour se faire charcuter. Ma bagnole est bien défoncée. Et ben écoutez, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la commenter et la partager avec vos potos. Et si vous êtes intéressé par d'autres de mes vidéos, que ce soit un nouvel épisode de ce Patreon ou voir d'autres vidéos sur d'autres jeux, et ben n'hésitez pas à vous abonner et enclencher la cloche de notification. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Porte de PGM.